Allez, salut à tous les amis, c'est Lord Touplay, je suis en compagnie encore une fois de Yann Hamu, et cette fois j'ai bien prononcé. Bonjour à tous, ici Yann Hamu, donc bienvenue sur SimCity 5. Oui. Je suis en compagnie de Lord Touplay. Oui. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec lui. Oui. Je me suis mis à picoler. Oui. Non mais bon, on est là pour inaugurer la partie multijoueur de SimCity que j'avais promis il y a fort longtemps, mais que je me suis enfin décidé à faire, vu que j'ai mis en pause Cities XL pour cause de bugs absolument horribles, lag, enfin jeu optimisé à la pisse, comme diraient certains. Et voilà, donc nous sommes sur la région, j'avais pris quoi ? Gorge du Titan, on a préféré prendre une région facile pour débuter, hein, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Voilà, enfin, très personnellement. Et donc on s'est installé à côté, voilà, sur une map plate, tranquillou, sur une petite plaine, voilà. Oula, j'ai appuyé sur un grand chantier. Alors il faut savoir qu'il y a 16 villes, 16 emplacements de villes et 4 grands chantiers, donc il y aura de quoi faire. On précise qu'au niveau multijoueur, si vous voulez, on pense faire une région de... En fait, la région possède 16 emplacements. Mais nous, ce qu'on veut, histoire que ce soit un minimum, enfin qu'on puisse jouer un peu beaucoup, on va dire, on a décidé qu'on va diviser par deux le nombre de joueurs, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 16 villes, donc 16 mecs, on va prendre, on sera que 8, comme ça chacun pourra avoir 2 villes, je pense que c'est bien. Donc, si vous voulez intégrer cette aventure, et je te coupe parce que je suis un gros enfoiré, t'es un gros sac, 2 secondes, je termine, vu que... voilà, on aimerait bien que ce soit assez intéressant. Vous pourrez être, si vous voulez intégrer en gros l'aventure, envoyez-nous des messages privés ou comme vous voulez un commentaire. Envoyez des messages à Learn to Play s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Floudez-moi. Parce que moi je vous répondrai avec grand plaisir, mais ce n'est pas moi le maître de la partie, c'est lui, donc c'est lui qu'il faut inviter, d'accord. Si on voit vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'invitations. Peut-être qu'on restreindra ça et qu'on mettra un seul joueur par ville si on voit qu'on a vraiment 12 viewers. Motivés, ouais, ou alors. Non, ce qu'on peut faire, c'est. Qui ont les yeux bleus et qui sont blonds. Oh. Ouais. Non, moi je pensais à une solution pour écrire une deuxième région. Non, mais non, deux régions ça fait beaucoup là. Bah pourquoi ? Parce que je te le dis, ça fait beaucoup. Non, mais une deuxième région, pas avec 16 villes forcément. Tu vois ? Une deuxième ville aussi pour que ce soit intéressant pour nous et qu'on puisse... Puisque moi, personnellement, ça fera l'objet d'une série qui sera en solo de temps en temps et en multi avec les gens, avec vous, hein, si vous intégrez cette aventure. D'autant plus que maintenant, j'ai mon salon TeamSpeak privé. Alors, je pense que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous donner le mot de passe et tout, l'adresse, tout le bidule. Et vous pourrez venir quand vous voulez. Pour discuter, pour jouer de temps en temps. Par contre, je précise que je n'y serai pas tout le temps parce que quand même, je suis plus trop dans ma période. Je suis tout le temps sur Skype ou sur TeamSpeak. J'aime bien être un peu seul, donc j'y serai pas tout le temps. Mais bon. Tout à fait. Ce monsieur a des besoins naturels à assouvir. Non. Mais bon, voilà, on est d'accord. On fera pas. Enfin, on essaiera, par exemple, le week-end, le soir, de se retrouver un peu tous ensemble pour faire du SimCity. Et donc, je ferai quelques vidéos solo et puis des vidéos multijoueurs. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je te propose de commencer. Allez. En vérité, je t'ai pas attendu. Ouais, je sais que t'es un enfoiré, toi. Ouais, bon, alors... Je le sais. On a décidé, mon cher Yann Hamu et moi, de se spécialiser dans le minerai. On a pris 2 villes. On a pris le plateau où se trouvaient la plupart des gisements de minerai. Oui. Que ce soit charbon ou minerai, enfin s'il n'y a pas d'autre mot, je suppose que c'est fer et terre rare et tout le bordel. Donc on se spécialise dans le minerai. Donc si vous voulez, il vous reste encore le pétrole, le tourisme et tout ce que vous voulez. On va être très industriel, nous. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est la rentabilité. Hein ? Nous, on veut du fric. Et donc on va essayer de... Voilà, nous on va polluer, on va faire les grosses... on va être chiant quoi, hein, c'est le mot. C'est ça. Bon, arrêtons de dire de la merde et on va commencer. Donc les mécanismes de SimCity, je suppose qu'ils sont pas complètement inconnus. C'est un city builder, un peu à la CityXL, vous devez construire des routes pour commencer. On va d'abord planifier ça, sachant que je vous montre, pour moi... Hein, nous avons donc un gisement de charbon à droite et
un gisement de minerai aussi complètement à droite. Ce qui fait que je pense, on va séparer la map en deux pour avoir la zone industrielle à droite et la ville à gauche. Ce sera une petite ville, hein. Mais bon, je vous ai dit, on aura plusieurs cartes. Comme ça, sera plutôt intéressant et sera plus sympa pour jouer, quoi. Sinon, on pourrait rien faire, on arriverait vite. Vite à épuisement de l'espace, parce que si vous voyez la map comparée à Cities XL, oui, c'est complètement ridicule. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Attends, je le redis encore une fois, c'est ridicule. Bon, c'est parti, je commence. Moi, je suis parti depuis longtemps, moi. Je commence, on va faire une route comme ça. Par contre, voilà, les routes 16 000. Vous prenez des avenues, bah ça vous coûte la peau du cul, surtout que vous commencez qu'avec 50 000. Tout à fait. Bon. Voilà, niveau financement, c'est pas génial, quoi. C'est ça. Donc, à mon tour de parler, je prends la parole. Vas-y, donc, à mon niveau, j'ai commencé ici la petite zone résidentielle hein, qui va faire l'objet d'un petit pré-épisode de petites minutes chez moi sur ma chaîne. Vous pourrez suivre ça en direct. Ensuite, donc, au niveau des minerais, le gisement est ici. Vous voyez, hein, un bon gros gisement de minerais brut. Oh! Au niveau du charbon, les gisements sont là-haut, donc vraiment toute la partie industrielle qui sera dans cette zone-là, hein, clairement. Au niveau de la carte du vent, le vent souffle vers là-bas. Ah oui, moi aussi, je ne l'ai pas dit, attends deux secondes. Le vent, oui, pour le coup, le vent, moi je vous montre, ça part pile là où je veux, c'est-à-dire dans le vide, vers le pont, vers le vide. Et au niveau des nappes phréatiques, on peut voir que j'ai de très grosses nappes ici et là, que nous allons assécher avec grand plaisir. Ouais, moi aussi j'en ai pas mal des nappes phréatiques, mais ça on y reviendra plus tard, hein, peut-être en solo. Mais le vent, en tout cas, c'est bien, on va pouvoir polluer parce que ça se casse vers le reste de la région. Donc nous, ça nous arrange. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est... On a dit qu'on serait pas tenu pour responsable de la pollution. Enfin bref. Les gros sacs, tu sais. Oui. Bon, alors là, ce que je fais, c'est des petits carrés. Le maire des folies, oui, je dépense comme un taré. J'aurais même plus assez pour les services publics. Donc le principe étant de zoner. Pourquoi je peux pas zoner, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il me faut? Connectez-vous à l'autoroute. Comment ça, connectez-vous à l'autoroute? Ah, mais c'est parce que je suis en pause. D'accord, c'est parce que j'avais... Ok, alors là, le principe... Oui, moi non plus, j'en ai bientôt plus. Donc vous zonez. Alors, ça c'est simple... Tac. Non, c'est... Voilà, contrôle. Voilà, comme ça, vous pouvez zoner toutes les petites zones. Donc, des zones d'habitation. Pour commencer, il faut ramener du people, du travailleur, hein, pour l'instant. C'est comme dans tous les styles. Du plébéien, exactement. Je vais faire une petite zone commerciale aussi, histoire qu'ils aient des boutiques et puis un lieu de... Ils me demandent déjà du travail. Putain, mais vous êtes au chômage, les gars, vous êtes pas heureux d'être au chômage, sans déconner. Et je vais commencer à mettre un peu d'industrie pour l'instant. Je précise que j'utilise des routes en terre pour l'instant, parce que c'est ce qui coûte le moins au début, et puis ce sera vite rentabilisé. Voilà. Paf ! Paf ! Ma maison d'abord, les gars, ma maison d'abord. Voilà, de l'industrie, comme ça, ils auront du boulot. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, vous voyez, c'est plutôt sympa niveau vie. Hein. On voit les petites voitures, les petits camions, ils s'installent. Voilà, ça donne lieu à des petites maisons bien sympathiques. Alors, on peut cliquer dessus, bien sûr. Résidence barrée. Alors, valeur du terrain faible. Mais moi, il pleut pas, il fait très beau. Donc, on peut voir la valeur du terrain qui est absolument très faible pour l'instant. Donc, il faut savoir qu'il y a pauvres, aisés, enfin non, classe moyenne, on va dire, et aisés, riches. Et nous avons ensuite la densité. Ok, j'explique pour ceux où on sait jamais. Mais bon. Mais voilà quoi. Tais-toi, tu parles trop. Il faut de l'eau. Va falloir d'abord qu'on pense aussi à faire les. Un petit mot quelque part. Oui, non, mais d'abord t'attends, ok. Je vais placer un château d'eau sur les nappes pratiques là. Ouais, j'en ai pas mal. Va falloir qu'on commence à échanger aussi. Tu veux que je me spécialise dans l'électricité, dans la flotte ou quelque chose comme ça, non? Histoire que ça nous revienne moins cher. Non, j'ai pas besoin de toi, moi. Donc, les amis, juste pour que j'arrive enfin à placer ma petite réplique au milieu de tout ce charabia learn to playesque. Exactement. Le troll. Donc, si vous avez envie de voir, sachant qu'on peut renommer nos villes, donnez-moi des idées dans les commentaires de cette vidéo. Ah ouais. Ça, c'est une excellente idée. Ce que vous voulez comme nom de ville, parce qu'à l'heure actuelle c'est Poimpin, donc vous imaginez un petit point là à la fin de la presse, il est peint en fait. Le mec, il y a un coup de rouleau qui est passé dessus, un coup de pinceau, un coup de peinture, un coup de crayon de couleur, ce que vous voulez. Non, mais là, il vient me voir.
Mais il vient me voir, regardez-moi ce vieux sac là. Non mais toi, mais toi t'es venu à... T'es... Non mais toi t'es venu consommer dans mes boutiques. Attends. Virez-moi ce vieux sac de là. Mais arrête, là, là par contre je vais t'interdire hein. Je vais t'interdire l'entrée dans ma super ville, ok? Y'a hein pas de soucis. Voilà. Voilà, c'est bon, tu viens de ruiner toutes les perspectives commerciales que j'avais. Bon, alors l'industrie c'est construite, c'est parfait. Ah, vous avez vu ça? Et c'est filmé, hein. Je me sens vraiment bien à Pointe-Pin. C'est une ville pleine de vie et très diversifiée. Merci. Non mais regarde-moi, la ça y tombe. La seule chose qui nous manque, c'est un lieu pour exprimer notre spiritualité. Tu les as payés, on le sait, un c'est bon. Non mais l'autre, il veut créer l'yananisme, t'as vu Waouh. Alors là, j'utilise l'outil dessin, tu peux faire des trucs vraiment zarb. Où t'as cet outil-là, toi? Bah tu sais, l'outil dessin pour les routes. Ah. Ah ouais. Ah ouais, là je viens de faire un truc beau. Sauf que je vais pas le faire. Je le ferai plus tard parce que là j'ai pas trop les moyens en fait. Bon, alors, voilà. Au niveau des industries, on va arrêter pour les routes. Vers là-bas. Hop. Ah, parce que là-bas il y a le charbon, tout ça. Donc ici ça va être une zone grosse industrielle ici. Là, vous voyez là ici là. Pas d'électricité. Une grosse zone industrielle. Bah, donc Yanamu, je te propose. Est-ce que tu veux que je te donne de l'électricité? Comme ça sera moins cher et toi tu me files autre chose. Comme ça, on aura un développement plus rapide. Non? Non, non, t'en as rien va, à foutre. Je suis fourni, je te rassure, merci. J'ai fait ma petite centrale éolienne, t'as vu? Parce que moi, je suis respectueux de l'environnement. Oui, moi aussi. Bah, de toute façon, c'est le truc qui coûte le moins cher au début. Sinon, la centrale à charbon qui coûte 17 000, mais qui vous bouffe moins 450, si tu veux. Alors que la centrale éolienne coûte que 8 000 et bouffe 80 moins, que 80 par heure. Sachant que bon, qu'elle a moins de productivité, bien sûr. Mais voilà, okay. Moi, je gagne déjà 2 000 par heure, hein. Ah, oh, je suis qu'à 1030 moi, mais j'ai déjà toutes les infrastructures. Ah bah ils ouais. Ils veulent les eaux usées, ils veulent du traitement d'eau usée. Oh. Les eaux usées. Non, oh. Tu t'en fous, t'es un vieux sac toi. Ah ouais, moi je suis un vieux sac. T'as raison, je vais mettre le régime des eaux usées au milieu des usines. Ah merde, putain ouais, là ils ont besoin d'électricité donc c'est joli, il y a le réseau électrique donc, qui se met petit à petit en place. C'est qui arrive dans la ville. Dans le traitement des eaux usées, il faut faire attention de ne pas polluer les nappes phréatiques existantes. Parce ouais, que sinon, vous êtes logique. Dans la mouise. Donc là, je vais devoir prolonger une petite route pour effectuer ma centrale d'eau usée. C'était totalement ça, mais il va falloir que j'y pense. Bon, pour l'instant, l'électricité vient d'arriver dans la plupart des foyers de la ville. Ouais, c'est bon, tout est bien. Oula, attends, je vais remettre la... Je suis désolé, je vais aller dans les options. Je vais mettre la synchro. J'espère que ça... Mince. Ça a coupé l'enregistrement. Ouf, je reprends. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous chez... qu'est-ce qu'ils foutent chez moi, t'es mes mecs? Là, c'est mieux. Bon, d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous avais pas dit oui niveau pour les... enfin, au niveau des extensions pour les bâtiments. Il faut savoir que maintenant, dans SimCity, tous les bâtiments, les services publics et autres bâtiments voilà. Ont des extensions. Voilà, et vous pouvez par exemple... Les eaux usées s'en aller. Non. Vous pouvez agrandir par exemple leur productivité, leur zone d'action, etc. Là par exemple pour ma centrale éolienne je peux rajouter une éolienne pour augmenter la production. Voilà. Tout à fait. C'est pas plus compliqué que ça, on verra ça plus tard avec les hôpitaux, la sécurité et tout le bordel. Mais c'est pas pour tout de suite. Bon, alors pour l'instant allons tout voir va bien. Ce que fait ce vieux sac. Bah, pour l'instant je fais une ville très carrée, déjà j'essaie de damasser un petit peu d'argent, je gagne 2000 par heure. On va mettre comment s'appelle le temps au max, l'accélération. Il ah est ouais, 20h chez moi. T'es parti comme ça toi. Eh ouais. D'ailleurs je vais rajouter un petit peu d'industrie. Il faut que je rajoute de... Ouais. Vous avez vu comment il est parti ce vieux sac? Moi je vous dis que ma ville sera 10 fois plus belle que la tienne. Ouais c'est ça. C'est beau hein, c'est beau de rêver. Hop. Il a même pas encore de un petit peu d'industrie. Char. Si j'en ai. Où ça? Ah non, mais par contre l'hôtel de ville, oui, alors l'hôtel de ville comment on le fait déjà? Mais tu crois que moi je vais te renseigner. Ah ouais, j'ai trouvé le menu pour aller choper les bâtiments d'extraction. OK. Bon alors ça coûte, il faut savoir que ça coûte 22 500 à l'achat pour construire là par exemple pour la mine de charbon et ça coûte moins 100 par heure, ça vous coûte dans le ça coûte super cher. C'est à peu près équivalent pour les mines de minerais. Bon, pour l'instant, on va essayer de s'enrichir un minimum, avoir un minimum de fonds
avant de se lancer dans l'extraction de matières premières qui seront destinées à la vente. Ok, bon, bah, c'est la nuit. C'est par où qu'on construit le... Enfin, c'est par où. C'est comment on construit la maison du maire? Comment? Ah, bah oui, c'est le bouton au centre qui clignote depuis tout à l'heure. C'est bon. Alors, je pense que je vais la mettre au centre. Voilà, pile là, là. Voilà, elle sera parfaite ici. Mon hôtel de ville. Je vais essayer de... Allez, hop. Wouh! Et voilà, tout le monde est heureux. Youhou! Ma petite mairie qui est vraiment super belle. Hein, très, très américaine. Ah, nommez votre ville. Effectivement, oui. Bah ça, comme l'a dit Yana Hamu tout à l'heure, on le fera. N'hésitez pas à proposer des noms dans les commentaires. Voilà. Et il y a déjà des demandes. Ah oui, Docteur Vu. Ça, c'est parce que j'ai le pack gentil et méchant, là. Il me demande de construire le Docteur Vu plus tard, Jean-Guy, hein, plus tard. Pour l'instant, j'ai pas les moyens et je m'en fous complètement. Par contre, là, je commence à m'enrichir. C'est plutôt sympa. Plutôt très sympa. Et les eaux usées, ça commence à devenir sévère. Tu veux pas me dépanner pour les eaux usées? Bah j'ai activé la capacité vente de la capacité voisin. D'accord. Alors moi, comment je fais pour le coup? Je veux t'en acheter. Donc le ce que je fais, c'est que je vais... tous les temps. Car... maintenez votre taux de popularité en dessous de je sais pas combien, j'ai pas pu lire. Je suis le pire. Attends. Là, j'ai la possibilité de t'acheter 11,3 kilolitres, je sais pas ce que c'est, par heure de capacité de traitement des eaux usées disponible au prix de 1$ par 1 kilo. Ah, je suis pas cher. Donc voilà, ça me coûtera que 11$, enfin 11 Simsloos, pardon. C'est beaucoup, beaucoup plus rentable que de se faire une station comme il a fait ce vieux sac d'ailleurs, ce traitement des eaux usées. Moi, j'achète, hop là, vous voyez, et là, a besoin de Simsloos, de Simsloos, pardon. Alors, c'est parfait, voilà, je t'achète du... Comment je fais pour revenir? Ah oui, carte de la ville. Ok, c'est bon, voilà, et maintenant toute la merde va chez toi. C'est parfait. On peut voir, c'est magnifique. Envoie d'eau usée à papier peint. J'évacue toute la merde dans ta ville de merde. Oh! C'était méchant. Je te l'accorde. Bon, alors... ici, on va se référer au RCI. Ah, j'en ai posé un, mince, je voulais pas. Bon, pas d'électricité, comment ça, pas d'électricité? Ah, j'en ai mis un là, bah ouais, allez hop. Pourquoi il a pas d'électricité, lui? On va faire un petit parc dans le coin, histoire de les contenter un petit peu davantage, parce que là, les mecs, ils sont... Je vais rajouter une éolienne. Non, j'ai pas besoin d'éolienne. Attends, il y a un mec, il a pas d'électricité, je crois qu'il est bugué. Hein. Allez hop. Comment tu... Mais... Ouah, il est bugué, comment on fait pour enlever... Ah, c'est bon. Ah oui, c'est parce qu'il y a un petit peu de latence, vu que je upload, on est en ligne, hein, faut pas oublier. Oui. Je voulais te demander, comment t'expliquerais le RCI, toi? Le quoi? Le système d'offre et de demande. Comment tu le définirais, toi? D'accord, ok. Bon, alors, faut savoir que SimCity repose sur le RCI, c'est-à-dire... C'est un moteur, je sais plus, alors j'avais déjà entendu ça par d'autres youtubeurs. C'est un moteur qui fait tourner ça, c'est-à-dire qui gère l'offre et la demande. Bon, il a un petit peu bugué, enfin à l'époque quand il est sorti le jeu, il était bugué, je sais pas si c'est résolu maintenant, mais bon. Vous avez trois jauges, donc la demande d'habitation résidentielle, demande commerciale et demande industrielle, donc verte, bleue et jaune. Voilà. Et donc qui se divise en trois aussi chacune, sauf pour la demande industrielle, c'est-à-dire pour les pauvres. Demande résidentielle pauvre, moyenne et riche. Pareil pour les boutiques et autres commerces. Ça marche toujours par 3. La demande industrielle, il n'y a pas de richesse dans la zone industrielle. C'est en fonction plutôt du niveau technologique. Voilà. Bon, là-dessus, je vous ai expliqué. On voit d'ailleurs que la demande résidentielle en richesse moyenne commence à augmenter. Alors, c'est tout con. Le principe, pour améliorer le niveau de richesse de vos terrains, hein, la valeur foncière, augmenter la valeur foncière de vos terrains, ce n'est pas plus compliqué, il faut aller dans le menu parc. Voilà, il suffit d'ajouter quelques petits parcs, des petites décorations. Je vais mettre... j'ai envie de mettre un petit complexe sportif, une petite zone de sport, voilà. Bon, je vais être obligé de détruire des maisons. Ça, c'est un petit peu obligatoire, je vais le mettre en plein milieu. Wouh ! Et voilà, bonheur ! Toujours du bonheur. Donc vous voyez là les gens, si je veux, je peux augmenter les impôts de mes résidentiels. Ah. Actuellement ils sont à 9%, c'est amplement suffisant. Je génère 1200 par heure, hein, à l'heure actuelle avec 1500 habitants quasiment.
qui est amplement suffisant. Donc, pour un petit peu synthétiser ce qu'a dit Learn, le RCI, c'est les demandes. Si ça c'est à fond, ça veut dire qu'ils veulent des habitations. Si ça c'est à fond, ils veulent des commerces. Et si ça c'est à fond, bah, vous en avez rien à foutre. Le mec, tu sais. Mais ouais, c'est ça. En gros, je vois, c'est à peu près ça. C'est ça. Voilà, et là, vous pouvez voir que nos premiers Sims de classe moyenne, un petit peu aisée, ont emménagé dans ma ville. Vous voyez, ils ont même... Non, ils ont pas augmenté de densité. Il y a juste les maisons qui ont changé. Elles sont un peu plus riches et elles sont vraiment jolies. Voilà, ça se construit de plus en plus. C'est magnifique, les oiseaux chantent. Et là, l'industrie s'est parfaitement développée aussi, notamment. Beaucoup de marchandises. Je me fais 2300 par heure. Je ne sais pas pour toi, Yanamu. Oh, je suis à 1200, moi, mais j'ai pas fait beaucoup d'industrie, en fait. Ah, pas encore. Non. Moi, je rajoute de l'habitation. Et on va se lancer maintenant dans l'installation de services publics. Bon, le premier étant la clinique. La clinique est très utile. Bah, pour... Enfin, je sais pas, c'est une clinique, hein. Je suppose que vous savez ce que c'est qu'une clinique. Non. J'attends que tu crées ton truc pour me fournir chez toi, par contre. Non, je m'en fous, je le ferai pas, je suis un enfoiré, je le ferai pas. Je construirai pas cette clinique. Fais gaffe, j'ai de l'argent, j'ai les moyens de te faire parler. Fais pas le con. Ah, j'avais jamais remarqué, ouais, on peut voir en cliquant sur... bon, ça, vous pouvez y accéder par l'intermédiaire des cartes aussi, on peut voir. J'ai 5 morts par jour sur 1800 habitants. Ah, quand même. Donc on peut voir les malades, il me semble, et les accidents aussi à l'aide de petites icônes au-dessus des maisons, c'est sympa. Bon alors, je vais la mettre où, moi? Je vais la mettre en plein milieu, elle sera bien plus efficace. Elle est où, ma souris? Ouais. Oh, je crois que j'ai... On va le foutre là, histoire de laisser place aux extensions. Vous voyez, parce que, bien sûr, on peut rajouter des extensions à tous les bâtiments de service public, je vous l'ai dit. Et cet enfoiré va venir se servir chez moi. J'aurais pas dû le dire. Oh là là. J'aurais pas dû le dire. On va accélérer un petit peu histoire que ça se développe. Ça se développe bien là. Bon, je vais bientôt commencer peut-être à... Ouais. Bon, ça risque d'aller très vite vu que le terrain est petit, mais bon. C'est pour ça, je pense faire une région privée aussi, peut-être, pour vous faire un let's play solo. Bon, tu sais que tu sois là, en solo, en multijoueur, c'est pareil. Hein. Ouais, non, mais je sais, mais après, t'as beaucoup plus de villes quand t'es en solo. Oui, c'est ça qui est bien. C'est vrai. Je voulais dire un truc aussi. Vu qu'on est en multijoueur et que nous avons 4 zones de chantier disponibles, on va pouvoir se faire, se créer des énormes structures. Et par l'intérieur, enfin, on va dire avec un système coopératif, si vous voulez, chacun fournira les ressources et les financements nécessaires. Et ça, c'est vraiment. Bah c'est vraiment cool, moi je trouve. Moi tu veux que je te finance? Non, mais par exemple financer un aéroport, par exemple, parce que vous pouvez faire un aéroport, une centrale nucléaire pour fournir de l'énergie. Enfin, ce genre de choses, quoi. Il veut que je le finance, lui. Non, je te demande pas de me financer. Hop, petite zone d'habitation ici, comme il faut. Voilà, ça se construit. Tu as combien d'habitants? 1800. Donc... 1800, à titre personnel, j'applique une stratégie totalement différente de celle de l'entouplé. Personnellement, je veux des gratte-ciels, je veux des immeubles, je veux un truc qui va jusqu'à la lune. Donc pour ce oui, faire, moi aussi, mais pas ici, pas dans cette faire, ville. Pour ce faire, en fait, je crée directement des avenues à double voie. Parce que si vous commencez par poser rien que des avenues simple voie et ensuite de double voie, vous allez vous retrouver dans une mouise absolument phénoménale. Donc même c'est ce que j'ai pas fait justement. Même si ça coûte extrêmement cher au tout début de créer cette double voie directement partout là, ça n'en sera que beaucoup plus confortable. Ouais, ça sera vite rentabilisé plus tard, c'est vrai. Voilà. Bon, moi je commence avec des routes de terre juste au niveau des habitations, mais puisque ça coûte beaucoup moins cher. Après, les grands axes, il faut les faire avec, comme l'a dit Yanamu, pardon, en fait, je peux pas t'acheter des grandes avenues. Ah, mais c'est l'ambulance, ouais, non? Faut, tu peux pas partager une ambulance avec les voisins, en fait. D'accord. Eh ben, je le ferai pas. Non, je déconne, je vais le faire. Par contre, j'ai encore 5 morts par jour. Ah, mais c'est parce que j'ai pas construit. Je vais faire le petit panneau. Hein, on va mettre le petit panneau clinique. C'est génial. Et le petit camion. Voilà. Qui coûte 10 000? Ouh, pardon, j'ai dû te défoncer les oreilles. Non, t'inquiète mais bon. Pas, j'avais prévu le coup. Putain, 10 000, quoi. Ah oui. Bon, j'ai un camion. Je te propose de te filer une ambulance à mon service. Là, de. Je te prête. Un gros camion. Je te prête mon service d'ambulancier, hein, puisque tu m'as gentiment proposé tes services de traitement d'eau usée. Alors, c'est avec plaisir que je t'offre cette ambulance. Alors, comment on fait? on est mal barré, moi je vous le dis, on est mal barré. Comment on fait? Ah oui, c'est là. Santé.
Eh bien, écoute, véhicule proposé, je t'offre une petite ambulance. Voilà, c'est gratos. Sur mes deux ambulances, je t'en donne une. Alors, voilà. Comment est-ce que je fais pour accepter, moi, maintenant ? L'ambulance de Palomino vient à la rescousse. Ah, il va falloir que je change ce nom parce que c'est juste pas possible. On va rajouter un petit peu d'industrie, hein, toujours. Moi, j'ai dit la rentabilité. Ah, moi, rentabilité. Voilà. D'ailleurs, c'est pas assez. Ça, il en faut plus. Il faut plus. Par contre, non, faut faire attention parce qu'il faut que je garde à l'esprit. Voilà, mon charbon est ici et mon minerai est en plein milieu ici. Je détruirai ici pour mettre des puits. Ça fait beaucoup de fois ici, d'ailleurs. Mais bon, faut que je garde à l'esprit que ici, faut que je me développe. Ah, j'arrête. Faut que j'arrête de dire ici. Hop. Oh, mes crayons. Mes crayons, j'ai un bâtiment abandonné. Et il faut les détruire à la main, ces bâtiments-là, en fait. Nous voudrions pouvoir écouler nos marchandises. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Alors, pour écouler les marchandises, rien de plus simple. Il faut un entrepôt commercial. Alors ça, c'est dans site de... Non, c'est pas... Putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est pas dans site de chantier. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est là. Non, mais putain, je réécris. Non, mais je réécris. Je reclique sur la même icône, quoi. Je suis juste un petit peu con. C'est où ? Spécialisation de la ville, voilà, c'est la spécialisation. À savoir qu'il y a 6 types de spécialisation, allant de l'extraction de matières premières, c'est-à-dire minerais, forage de pétrole, commerce, électronique, culture et jeux. Alors si quelqu'un sait où c'est qu'on trouve les lieux de culte, je suis preneur, parce que là, franchement... Je vais prendre... Alors, pour écouler vos marchandises, il suffit de prendre l'entrepôt commercial. Vos ressources seront ainsi échangées sur le... sur la région et partout sur le marché mondial de SimCity, parce que c'est un marché mondial. C'est d'ailleurs grâce au marché mondial que les prix fluctuent à la hausse ou à la baisse. Hein. Ça dépend. Parfait. Donc on va le faire. Il faut de la place aussi pour les extensions. Si on va le faire ici. Si j'y fais un casino, à ton avis, c'est un lieu de culte ? Non, ouais, je pense pas, non. Alors, où est-ce que c'est ? Ok, un entrepôt commercial. Alors, comment ça marche ? Ok, stockage. Oh putain, il est déjà rempli. Il est déjà rempli. Gérer les importations depuis le marché mondial. Ah, vous devez ajouter des lieux de stockage pour échanger des ressources sur le marché mondial. Eh bien, écoute. Alors, c'est une extension. Je vais rajouter juste le petit panneau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je... Oui, il me faut hangar de marchandises expédiées, donc de produits manufacturés. Et voyez que, par exemple... Oula, par exemple, j'ai bugué là. Par exemple, pour le charbon et le minerai, il faudra d'autres aires de stockage spécifiques. De même pour le pétrole. Donc, je vais en rajouter un, ça coûte que 2000, même 2. Non, il faut que je garde de la place pour les... Je vais en rajouter un. Un, voilà. Tac, un lieu de stockage. Et hop, on va gérer les importations. Mais pourquoi il me dit que non ? Vous devez ajouter des lieux de stockage pour échanger des ressources sur le marché. Ben, je l'ai fait, c'est bon. Pourquoi il veut pas ? C'est la déchéance la plus totale, je rase des maisons. On n'a jamais de week-end. J'adore le mec. C'est bon, je crois que ça vend. Hein. Je suis pas sûr. Ah non là, vous devez ajouter des lieux de stockage. Mais attends. T'aurais une explication, mon cher Yanamu ? Vas-y, raconte. Mais il me dit rajouter des lieux de stockage pour pouvoir importer et exporter, mais... C'est dans spécialisation, attends, j'ai déjà rempli, ça. Quoi. Oui, d'accord. Mais non, mais je l'ai fait l'entrepôt commercial, sauf que j'ai rajouté les lieux de stockage. Ah, mais si, ça baisse. Gérer les importations. Ah, mais non, parce qu'on peut pas, d'accord. Non, pardon, excusez-moi. Les produits manufacturés, ça ne se vend pas en fait sur le marché mondial. Non, ça se vend pas. Voilà, ça se vend. Enfin, si, ça se vend sur la région, mais ça se vend, on va dire, pas en ligne si vous voulez. Voilà. Ça se vend à l'IA, quoi. Ça fait de learn to play sur votre. Ça nous fait gagner de l'argent. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, voilà, alors, je commence déjà à exporter quelques produits. Il a 3600 habitants. Il a 71 000 dollars. Oh, 82 000 oh. T'en veux un petit peu ? T'as l'air de ramer un petit peu, non ? Non ? Disons que moi, je me développe tout doucement, tu vois, vu que je crée directement de grandes avenues, etc. Mais... Regardez-moi ça, quoi. Il a déjà un entrepôt commercial et tout. Son éolienne, elle va bientôt ne plus lui satisfaire. Ah mince ! J'ai des... Ah, t'as un incendie ! Ah bon ? Ça prend feu chez Learn to Play !
Mince, attends, c'est où le bulldozer? C'est où? Putain, ça fait trop long. Ah bah c'est là. Ouh là là. Attendez. Ah, bâtiment, feu. Ouh, attendez, faut que je réduise le temps un petit peu là. Hop. Ouais, effectivement, j'ai eu un incendie. Bon bah. Voilà. J'ai tout détruit. Ok, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il veut encore lui? Bon. Non, mais docteur Vu, je m'en fous. Plus tard. Voilà, on a de la richesse. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Je suis prêt pour plus grand. Ok, il y en a, ils veulent. Ah, bah, j'ai déjà des sims aisés. Ah, oui, c'est bien ça. Ils veulent plus de densité. Ouais, la densité augmentera bientôt. Alors, clinique si presque pleine. Du bouton pour transformer toute la zone en zone résidentielle d'un coup, là, je suis preneur parce que je m'en souviens plus. Pardon. En fait, c'est quoi la touche? Mettons, je te dessine ton carré de route. Oui, bah tu mets. Contrôle. Contrôle. Ah, exact. Ouais. Merci, Learn. Ouais, je sais. J'ai pris un conseil de Learn, je vais jamais m'en relever. Bon alors, qu'est-ce qu'il me demande encore? Me dis pas que c'est vu. Mais putain, mais il saoule. Non merci. Voilà, comme ça il va arrêter de me saouler. Même s'il m'offre une récompense de 5 000 $, mais je m'en fous. J'ai augmenté la capacité de ma clinique en rajoutant une extension, donc une salle de soins, qui permet de désengorger un petit peu, voilà. Comme ça, ma clinique se porte pour avion, le mieux. Il y a un avion. Faut que je fasse gaffe à mon... Ah oh, bah tiens, je suis en déficit d'électricité. Hop, je rajoute une petite éolienne. Voilà. Voilà, je suis de nouveau en bénéf. Enfin, si on peut appeler ça des bénéfs. Et on arrive déjà à 30 minutes. Yanamu, je te propose qu'on se laisse ici. Si vous arrivez à faire venir 100 sims dans vos parcs, dans nos parcs au cours des 3 prochains jours, c'est dans la poche. D'accord. Ouais. Je te propose de... Je vais construire une caserne de pompiers. Et on va se laisser là-dessus. Sauvegarder ici, là. Il faut quitter directement la ville, en fait, pour sauvegarder. Ouais, c'est ça. Alors, je crée juste le dernier parc de la déchéance. Je te construis cette caserne de pompiers. Yeah, voilà. Ça va me coûter cher aussi, mais je gagne quand même 2800. Je gagne 2800 et on va se quitter là-dessus sur une magnifique ville en croissance, en pleine croissance. 2700 par tour, 62 000 de simflouz, du bonheur, trop de bonheur et 5000 habitants. C'est super. Voilà, un petit skatepark ici, là, parce qu'ils étaient pas très contents ici. Donc voilà. C'est super. On se laisse ici alors, là ? C'est super, ouais, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode, n'hésitez pas à venir, nous envoyer des messages, je voulais dire, tout à fait. Laissez-nous pour participer le nom à l'aventure, voilà. Pour les villes. Laissez-nous vos idées, laissez-nous vos impressions également, dites-nous si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ce qui vous plaît pas, dites-nous si la voix de Learn, c'est vraiment mauvais. Pardon. Non, c'est mal compris, là. Je vais mettre la déchéance. Là, ça clash, là. Bon, eh bien, portez-vous bien et à la prochaine. À la prochaine, les gens. Ciao, ciao. Salut.